À retenir la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi autour du Premier ministre Matata Ponyo, le gouvernement constate que la paix du mois de septembre, tant pour les fonctionnaires, les policiers que pour les soldats, est totalement achevée avant la fin même du mois. En ce qui concerne la bancarisation de la paie des policiers et soldats, tout est fait pour que l'ouverture des comptes pour les officiers de l'armée et de la police démarre cette semaine. Le cap est donc mis pour le mois d'octobre afin d'assister à la bancarisation au sein de l'armée et de la police. Un point a été soulevé, qu'est-ce que le gouvernement fera des reliquats qui résultent de cette opération de bancarisation de la paie? Le vice-premier ministre et ministre du budget a répondu. Selon le dernier rapport que nous avons reçu de septembre 2011 à juillet 2012, il y a un montant de 2,290 milliards de francs congolais qui n'ont donc pas été perçus. Nous disposons aujourd'hui des listes nominatives des agents, donc des fonctionnaires dont les comptes ont été ouverts, mais les comptes n'ont pas été mouvementés pour une période parfois dépassant les 6 mois. Nous avons aussi une liste de fonctionnaires que l'on peut déjà considérer comme étant des fictifs. Et donc pour cette catégorie de fonctionnaires, nous allons, le Premier ministre a levé l'option de démarrer des investigations juridictionnelles qui toucheront pas seulement les fictifs, mais aussi ceux qui les ont créés ou ceux qui les ont laissés vivre en tant qu'effectif. Autre point évoqué, c'est la confirmation par le gouvernement d'avoir décaissé 20 milliards de francs congolais pour le fonds de réunification routière. La Troïka a également annoncé mettre à la disposition du gouvernorat de Bandundu un fonds de 1 milliard 350 millions de francs congolais pour l'appui au programme de campagne agricole assez ambitieux lancé par la province. Et pour terminer, la Troïka a confirmé que la situation économique et financière globale du pays reste stable.